la place d'Aragona, par beau temps et veille de fête. Ils sont venus de Belgique, de la Louvière, pour fêter la Sainte Vincenzo dans le berceau de leurs ancêtres à Aragona. Amedeo Ciarnero et Vincent Fretto sont déjà là. Les autres amis arrivent par avion ou en voiture, certains parcourant 5000 km aller-retour pour ne jamais oublier leurs racines profondes. Renato parle du village de sa maman, tandis que le maire d'Aragona inaugure avec Amedeo Ciarnero, le représentant belge de la Louvière, l'exposition consacrée aux photos de classe des aînés. On se souvient, on s'émeut, on recherche la photo de ses anciens petits copains de classe ou professeurs, et tout finit par les danses traditionnelles auxquelles personne, je dis bien personne, ne peut résister. Le lendemain matin, c'est l'heure du café matinal. Nous y rencontrons Giovanni Falzone, un jazzman renommé en Italie et originaire de Aragona. Salut les gars. Salut, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien et vous? Le café du matin au bar latino, c'est pour moi un rendez-vous à ne pas manquer. J'ai vu beaucoup d'affiches sur notre ami en ville. On prend un café? Avec grand plaisir. Ok, je vous laisse papoter. Merci, merci. Je suis ici à Aragona car j'ai ce concert ce soir dédié aux migrants. Nous sommes sur une terre de migrants et donc une terre que nous apportons ailleurs. Tu joues de la trompette? Oui, je suis trompettiste, compositeur et chef d'orchestre. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Et donc ce soir, on pourra t'écouter jouer. Oui, vous pourrez m'écouter jouer, mais surtout, vous pourrez découvrir un répertoire fait sur mesure pour cette petite réalité qui est mon pays d'origine, Aragona. J'ai pensé à une musique qui soit l'âme de cet endroit-ci. J'ai donc travaillé des morceaux de la tradition populaire pour les partager avec les gens de chez moi. La musique est la nourriture de l'âme. Et donc, nous parlons de nourriture et de musique. Oui, pour moi, c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose qui a trait à... En pleine interview, un fan de la première heure vient saluer Giovanni. Je fais connaître dans le monde mes racines. C'est pour moi une règle de vie très importante. Maintenant, il y a des amis qui arrivent nous dire bonjour. Tutto bene. Nino, bello. Nino, ciao. Ciao, bello. Che bello che sei. Ciao, ciao. Lui, c'est Nino Seviroli. Il a vécu la grande histoire de l'immigration sicilienne vers la Belgique. Il est devenu aujourd'hui le conteur de la ville d'Aragona. Les gens sont partis car les mines de soufre ont arrêté de travailler. Alors ils sont obligés de partir, et disons, pour travailler, hélas, peut-être la chance, dans les mines de charbon. Mais quand ils partaient, le train spécial, comme on l'appelait, le train spécial, moi, j'ai eu la chance de le prendre en 1973, mais c'était spécial parce que c'était les gens qui étaient spéciaux. Tout le monde montait sur le train, un train comme un autre, mais c'était particulier. Ils pouvaient monter seulement les émigrés, attention, les émigrés. Le train partait, il était vide et en paix à la fois. Il se remplissait. C'était des gens d'Aragona qui parlaient le dialecte d'Aragona. Et après, tu entendais le dialecte de Caltanissetta. Mais un peu à la fois, le train arrivait les champs d'Agrigento, et arrivait les gens de Racalmuto, et le train devenait un petit village. Tu entendais le dialecte d'Aragona, le dialecte de Grutte, le dialecte de Racalmuto. Et à chaque gare,
comme à Aragon, on nous avait sur notre maman, à chaque gare, on s'arrêtait, et il y avait les gens qui mettaient les valises dans la fenêtre. Et alors on voyait les mamans d'Aragon, les mamans de Racalmuto, les mamans de Caltanissetta, les mamans de Catania, de Messina, de Naples, qui montaient sur le train, et chaque maman, toutes les mamans c'était égal. À la gare, ils se mettaient comme ça. Il regardait son enfant qui l'avait mis peut-être sa valise par la fenêtre. Et quand son enfant était monté, elle, peut-être le papa le faisait un peu, mais elle cherchait son mouchoir avec délicatesse pour essuyer ses larmes et aussi pour saluer son fils. Et ça, c'était les mamans égales, jusqu'à la frontière, jusqu'à Belluno, jusqu'à Bellinzona. Avec Benjamin, mon caméraman, nous avons réservé une surprise à notre ami Renato. Nous l'avons emmené sur les traces de sa maman, dérogeant à la Sicile de nos pères. Ma maman est née en 31, donc quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, sous une Italie qui est dominée par le fascisme. Et c'est dans cette maison qu'elle naît, avec mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, évidemment, mais elle naît avec une sœur jumelle. Et ma maman, c'est Gina, de son nom Fulvia. Et une enfance qu'on peut évidemment imaginer heureuse comme un enfant peut la vivre, mais une enfance difficile. C'est la crise en Italie, la guerre arrive, la Seconde Guerre mondiale, et on a faim, on a très faim, mais en même temps, les enfants vivent avec leur grande part d'insouciance. Et ma maman vit cette insouciance comme tous les enfants pouvaient la vivre. Je regarde là ces rues, je me promène et je ne peux pas faire autrement que quasiment de croiser le regard de ma maman à chaque instant. Ça me fait du bien, mais en même temps, ça m'émeut beaucoup. J'ai l'impression de me promener avec elle dans ces rues. Et c'est un moment très fort pour moi, parce que c'est le moment où tout le monde se retrouve à table, et moi j'ai des odeurs, j'ai des parfums, et sur toutes les fenêtres, sur tous les balcons, il y avait ces pots de basilic, ces fines herbes, l'huile d'olive, les parfums, et une bonne humeur. Une bonne humeur parce que simplement, quel moment plus beau de la journée, celui d'être à table tous ensemble. Et moi, en tant que jeune gamin, venant ici pour passer 3 semaines de vacances, si on pouvait appeler ça vacances, c'était les retrouvailles avec les nôtres, avec les grands-parents, ma maman avec son papa, avec sa maman, avec ses frères et sœurs. On vivait de farine d'abord, c'est la farine qui nourrissait la famille, par le pain, par les pâtes. Le pain était l'aliment, la farine était l'outil nécessaire à la fabrication des plats cuisinés. Et de la farine, on en tirait le pain, les pâtes, les pizzas, mais qu'on n'appelle pas pizza ici. Dans le village, on les appelle le cuccioloni, qui est un pain spécial garni de tomates. Et puis, par exemple, elle s'asseyait avec ma tante sur une petite marche qui était juste là derrière. Et ça, c'est incroyable. Il y avait ce petit coin de mur là, elles étaient assises toutes les deux, enfants, 8, 9, 10, 11 ans. Et quand elles avaient la chance qu'on leur offrait une poule pour pouvoir faire un bouillon, elles s'installaient là, elles avaient une bassine d'eau chaude comme ça, c'est ma maman qui me racontait ça, c'était magique. Et elles trempaient cette poule dans cette bassine d'eau chaude pour déplumer la poule. Et ensuite, elles utilisaient les plumes pour créer des jeux. Il y avait tout un quartier qui vivait, toute une petite cour qui s'animait d'une joie de vivre, d'odeurs, de parfums. Et moi, c'est ça que je garde. Je garde d'abord le sourire de ma maman. À l'ombre du centre d'Aragona, l'oncle de Renato le conduit dans le petit cimetière où reposent les tantes et oncles de notre guide. Dans ce lieu typiquement sicilien, les tombes soigneusement alignées à la verticale se mêlent aux monuments des grandes familles bourgeoises. Je les laisse se recueillir, évitant tout dialogue. Le silence est d'or. J'ai consacré une grande partie de mon existence à l'Italie.
à tout ce qu'elle apporte. L'Italie qui sûrement doit ressembler à un coin de paradis. Ce pays comme nul autre porteur de bonheur, de beauté, où l'on prend le temps d'aimer les choses de la vie. Ici, où chacun, petits et grands, accorde une importance aux produits et à cette cuisine exceptionnelle aimée dans le monde entier. Je rends hommage à mon cher père, à ma tendre mère, à mon épouse, aux milliers de personnes qui se sentent touchées par ce documentaire et aux jeunes générations d'Italiens pour qu'ils n'oublient pas. À ma fille Fulvia aussi, pour qu'elle continue. Au Palais du Prince, quelques heures plus tard, Giovanni Falzone ose. Un hymne aux migrants que nous avons été, que nous sommes et qui serons sur des airs traditionnels. Un triomphe. Bref retour en Belgique, à la Louvière. Jacques Gobert, son bourgmestre. Nous sommes ici à la cantine des Italiens. Ce lieu chargé d'histoire a commencé à vivre en 1918. Lorsque les usines Gustave Boël, qui avaient été fortement détruites pendant la guerre, ont fait appel à de la main-d'œuvre étrangère et principalement italienne, les accueillant ici dans des baraques, on les voit d'ailleurs, en bois, qui depuis ont été reconstruites, mais qui restent des logements de grande précarité. Cette immigration italienne a pris une autre amplitude après la guerre, puisque on le sait, il y a eu des accords bilatéraux entre l'Italie et la Belgique. C'est ainsi que la Louvière a accueilli des milliers d'Italiens qui ont répondu à l'appel lancé par le gouvernement belge qui avait besoin de main-d'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle la Louvière aujourd'hui compte pas moins de 99 nationalités différentes. Renato me fait rencontrer Giuseppe Pendolino, maire d'Aragona, homologue du Louviérois Jacques Gobert. Aragona fut dans le passé un grand centre industriel. La crise dans les mines, courant des années 60, a provoqué son déclin. S'en suivirent les pertes d'emplois, donc de revenus. Nos concitoyens ont été obligés de quitter le pays pour chercher fortune à l'étranger. Le pays où ils ont trouvé le plus d'opportunités de travail a été la Belgique, dans les mines de charbon. En 2010, le maire de l'administration Tedesco, dans laquelle j'avais la fonction de conseiller communal, a entamé un dialogue avec Jacques Gobert, l'actuel bourgmestre de la Louvière. Je suis le troisième maire depuis qu'on a institué le jumelage et M. Gobert est toujours à sa place. Ça doit vouloir dire qu'il est un bon bourgmestre. Ce n'est que depuis 2010 que les échanges entre les deux pays ont augmenté. Les échanges tout d'abord de nature culturelle, qui sont extrêmement importants pour nous, mais aussi pour la Louvière, en raison du nombre important d'émigrés qui y vivent et qui sont d'Aragona à l'origine. Nous sommes assez orgueilleux de cela, car un groupe de nos représentants siège au conseil communal de la Louvière. C'est le cas de notre concitoyen Amedeo Cernello, qui représente magnifiquement le groupe des Aragonais à la Louvière. Nous n'avons qu'un souhait, intensifier encore ces relations. Nos migrants sont allés dans d'autres pays, en Allemagne, certains même dans les Amériques, mais leur destination de cœur a été la Belgique,
la Wallonie et principalement la Louvière. Cette population est arrivée chez nous, nous a beaucoup apporté, au prix de lourds sacrifices, quittant la campagne sicilienne, le soleil sicilien pour venir chez nous, au fond et dans la grisaille. Donc je crois qu'il y a quand même un lourd tribut qu'il fallait reconnaître. C'est une immigration qui a bien réussi, même si certains s'en souviendront, ça n'a pas été facile. Puisque, souvenons-nous, quand même, nos grands-parents nous racontaient que lorsqu'ils sont arrivés, et puis nos parents ont quand même été raillés à certains moments, maltraités verbalement, et l'intégration s'est faite, je crois, au fil des générations. Aujourd'hui, on peut dire que la population italienne est parfaitement intégrée. Aragona demain, j'ai une vision innovante pour le pays. Innovante car le village a un grand potentiel qui n'a pas été exploité à fond. Outre le palais, nous avons aussi le parc minéral que nous essayons de remettre en valeur. Car c'est ici qu'Aragona a ses racines. Nous avons la chance d'avoir le parc naturel de Macalube. Il s'agit de petits volcans de limon froid qui sont un phénomène naturel. Du point de vue touristique, à Aragona, nous avons aussi des sites archéologiques. Nous avons des tombes préhistoriques en Contrada Fontanazza. Nous avons les vestiges du théâtre grec à San Vincenzo. Ma projection est basée essentiellement sur le tourisme, le secteur tertiaire, l'agroalimentaire, car en plus nous jouissons d'un climat exceptionnel, magnifique. Tout le monde nous envie ce climat, ce soleil qui nous permet d'avoir des produits de grande qualité. Giuseppe Pendolino nous laisse pour se préparer à l'inauguration de la traditionnelle fête de San Vincenzo, une tradition aragonaise, aujourd'hui importée à la Louvière. Un village entier se consacre aux produits les plus simples, mais aussi les plus sophistiqués. Ici, folklore et saucisses au kilomètre font bon ménage. Le monsieur barbu que vous apercevez aux côtés de Renato s'appelle Luigi. Luigi Salamone, le roi de la saucisse en Belgique. Son grand-père déjà la fabriquait comme on l'a fait ici, au pays. Son papa a débuté la distribution et Luigi a développé le réseau de communication pour devenir le seul fabricant labellisé de la saucisse d'Aragona. Alors, s'il est ici aujourd'hui, comme chaque année, c'est pour faire la fête, mais aussi pour prendre la température de ce produit bien de chez lui. Tout se termine par un bon verre de vin et quelques amandes confites de la région. Une nuit plus tard, les Louviérois d'Aragona se retrouvent dans un agritourisme pour déjeuner et chanter leur père. Giovanni Falzone nous a rejoints pour un hymne à l'amour.
astuta. Bellissima giornata e soprattutto una bellissima vita a tutti. Ciao, alla prossima! Quand nous étions enfants jusqu'à l'adolescence, il n'était pas question de nos parents de préparer des vacances ailleurs qu'Aragona. C'était Aragona chez le grand-père, chez l'oncle, chez la tante. Et dès qu'on arrivait, premier plat à Aragona, c'était la saucisse italienne. Vous étiez une famille de bouchers. Alors, mon grand-père était boucher à Aragona. Tes ateliers sont près de Mons, à Casto. À Casto. Et vous fabriquez vous-même la saucisse sur place, avec la même tradition qu'on la faisait ici au village? Toujours, on n'a rien changé. Bon, bien sûr, quelques agréations pour l'AFSCA qu'il fallait absolument suivre. Évidemment. Il n'y avait pas à ce moment-là. Mais le concept reste toujours le même. Et c'est une particularité de cette saucisse, c'est qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de plats, dans beaucoup de préparations. On peut même la mettre séchée et la manger comme une saucisse sèche ou un salami. Donc tu peux utiliser le poivre que tu connais, voilà. Un poivre bien à toi, une fenouille séchée bien à toi. Tout à fait. Avec comme, des doses qui t'appartiennent. Tout à fait, comme les petites fenouilles siciliennes, sauvages. Mais donc, c'est un produit qui se développe très très bien, parce que ça part d'un petit village, tu arrives en Belgique, tu es à Casto, tu le développes et tu le distribues partout. Oui, bon, je dois ça à mon papa, qui a commencé en 62 sa première boucherie, 61 ou 62 à la Louvière. Il en a eu trois. Les gens venaient de Liège, d'Asselt, les gens venaient de partout de la Belgique pour manger la saucisse, pour acheter la saucisse chez mon papa et manger la saucisse, la véritable saucisse d'Aragon. Pour moi, c'est le passé présent. C'est-à-dire, c'est notre base de tradition à la fois qu'on était jeune immigré, et je trouve les mêmes ingrédients, les mêmes saveurs. On revient systématiquement chaque année lors des fêtes de San Vincenzo, disons, deuxième dimanche du mois de septembre, et c'est quasiment devenu, depuis le jumelage, je dirais bien, une tradition pour nous. Mais moi, la Louvière, c'est mon berceau, je dirais. Voilà. Bien, je suis bien en Sicile, mais j'aime retourner à la Louvière. À Pendolino et à... Giuseppe Pendolino. Et al Principe di Aragona. Et al Principe di Aragona. Longue vie. Longue vie. Quand Giuseppe Pendolino, maire d'Aragona, nous parle de tourisme, il ne croit pas si bien dire. À 20 km de sa cité se trouve le témoignage de notre humanité, les vestiges des murs de l'antique cité grecque d'Akragas, importante ville de la Grande Grèce. Nous sommes dans la vallée des temples. Avec l'autorisation inespérée des plus hautes instances du patrimoine, je vous invite à pénétrer dans l'un des temples helléniques les mieux conservés au monde. Le temple de la Concorde, construit en 430 avant Jésus-Christ, fut converti en basilique chrétienne au VIe siècle. Ce qui explique qu'il soit aussi bien conservé. Quelques moments de respiration nous emmènent dans les collines de l'Erkara Fridi, où nous rejoindrons Pietro Pistoia, président du consortium du Pecorino Sicilien. Faisons connaissance avec un producteur de ricotta qui la fabrique artisanalement depuis un demi-siècle. Son fils a repris l'affaire et exporte désormais dans le monde entier grâce au consortium. Le petit lait issu de la préparation du fromage est conservé et chauffé. On attend ensuite qu'il caille, puis on les goûte. Cet égouttage est ici fait de manière artisanale, puis moulé dans des paniers en osier qui forment immédiatement le fromage. On le laisse ensuite affiner en fonction du souhait des clients et de la demande des restaurants.